Hello friends and welcome to this little video. J'ai parlé de Modeste Mbami et le cas de beaucoup de nos internationaux. Je parle des célébrités, du football, de la musique, ceux qui brassent des millions d'euros, de dollars de l'autre côté, qui est une très bonne chose. Et j'ai fait une vidéo où je disais qu'il faut faire très attention avant de choisir un partenaire. Parce que ce n'est pas la blague. Ce n'est pas de la blague. Les filles qui viennent vers vous quand vous avez de la gloire, quand vous êtes célèbre, quand vous êtes riche, ne sont pas forcément les filles qui vous aiment pour qui vous êtes. Il faut faire très très attention. Et c'est toutes les filles ne sont pas épousables. Not all women are women material. I insist. Et j'avais pris quelques exemples de ce qui se passe avec nos frères. Quand vous êtes né au Cameroun et que vous avez votre petite amie de galère et vous devenez célèbre, vous arrivez en Europe ou aux États-Unis, vous cherchez des femmes de type caucasienne juste parce que vous voulez vous dire que vous êtes quelqu'un d'affranchi, vous êtes arrivé, vous avez réussi. Ce n'est pas de la réussite, c'est la stupidité. Ce n'est pas de la réussite, c'est la stupidité. L'amour peut exister entre une femme de type caucasienne et un homme bantou. C'est possible, ça peut arriver. Mais je dis, les femmes que vous rencontrez, surtout ces femmes de type caucasienne que vous rencontrez quand vous avez de l'argent, viennent parce que vous êtes riche. Si vous n'avez pas la gloire et cet argent-là, elles vont partir. Quand elles vont finir de vous ruiner, d'autres même cherchent des problèmes de divorce et tout, vous allez au tribunal et on partage les biens. C'est pour cette raison qu'elles insistent sur le bien commun. Oui. Les histoires des biens séparés, mais tu n'as pas confiance en moi. You don't have confidence in me, you know? No, don't fall into that trap, man. You should be very vigilant. Et là, j'ai parlé de Modeste Mbami, les amis. C'est quand même terrible. Il y a des gens qui racontent des choses. Non, moi, vraiment, je connais cette histoire. Vous racontez ce que vous n'avez pas. Mais Modeste Mbami est mort chez le voisin. Modeste Mbami habitait dans un HLM. Modeste Mbami qui a une carrière formidable, a dit qu'il a son wonderful career. Vous vous rappelez de 2000 à Sydney, celui qui marque le but qui élimine le Brésil. Hein? Il a quand même passé des bons moments dans l'équipe nationale avec 39 matchs joués. Au PSG, hein? Dynamo de Douala, Kaïssa. Donc vous voulez me dire que Modeste Mbami n'a pas connu une fille au Cameroun avant d'aller à l'extérieur? Ils se sont séparés, des filles même, et il a choisi une femme de type caucasienne. Je dis cela parce que je vais vous montrer une image de l'arrivée, de la dépouille de Modeste Mbami au Cameroun. Comment l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Et si nous sommes bantous, nous devons valoriser notre culture. C'est très important. C'est très important. Le brassage des cultures, je ne suis pas contre, mais la priorité doit être sur notre culture. Nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui sont les milliardaires, qui sont les superstars, hey, come back to your roots. Come back to your roots. It's very, very important. Don't play the superstar game because you've succeeded in your life, you have the money now, you need a Caucasian type of man or woman in your life. That's sheer stupidity. You shy away from your culture and that is the problem we have with us here. Arabs will not behave that way. Asians will not behave that way. But Africans will behave the same way. And then, when they have wahalas, voyez, les Chinois entre les Chinois. Les Indiens entre les Indiens. Les Arabes entre les Arabes. Mais pourquoi est-ce que chez nous c'est différent? Les amis, ça fait très mal. Vraiment très très mal. Je vais vous faire regarder cette image de Modeste Mbami. Modeste Mbami. Modeste Mbami qui arrive au Cameroun, cher ami, à l'aéroport international de Simala. Il arrive là avec les anciens footballeurs autour de lui. Les amis, le sujet qu'on regarde cette vidéo. Regardez. Oh, my God.
Vous avez vu vous-même, les amis, l'homme n'est rien. Je ne sais pas si dans cette vidéo, vous avez vu cette femme accompagner son mari avec des enfants au Cameroun. Parce que c'est dans cette vidéo qu'on devait la voir. Parce que c'est elle qui devait amener le corps de Modeste Mbami au Cameroun. Mais elle n'est pas là. Je ne dis pas que toutes les femmes du type caucasienne sont méchantes. Mais cette histoire de brassage de culture, quand c'est mal ficelé, ça donne ce qu'on voit là. Que je ne peux pas venir chez toi, je ne rentre pas dans ton pays, mes enfants restent ici en Europe. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Il vient au Cameroun comme quelqu'un qui n'avait pas de famille. Comme ça. Comme ça. Autre chose, les amis. Je vais vous suggérer maintenant de regarder une image de la famille de Modeste Mbami. Qui pleure Modeste Mbami et il faut être fort, n'est-ce pas, pour ne pas écraser une lame quand on voit ce type d'image. Regardons. Vous avez vu les amis, c'est un peu ça. Donc, celui qui avait chanté Enigmi Zero avait raison. Celui qui avait chanté aussi l'homme est zéro avait raison. C'est ça la vie. Certaines erreurs que nous faisons dans notre vie nous rattrapent. Mais bon, Modeste Mbami ne voit pas tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il a trimé, il a souffert dans sa chair. Il est parti en étant très amer. Mais une fois parti, ce souffle que Dieu nous a donné quand ça part, basta, c'est fin de l'histoire. C'est bon. Il est inconscient là. Les gens qui regrettent, c'est nous les vivants. C'est sa famille qui souffre aujourd'hui. De cette douleur, de se séparer de un de leurs. Un brillant footballeur, une légende. Bye bye, Modeste Mbami. Hey, forever. Ladies and gentlemen, if you have time, please subscribe, share the video, and comment. Thank you, always. Bye bye for now.